Merci Michel Bouvier, merci Monsieur le Professeur. On a trop souvent le nez sur la vitre et là vous nous avez fait prendre un peu de distance et mettre les choses en perspective. Avec ce qu'on mesure bien, c'est le changement de ce qui s'est passé en France depuis 30 ans et puis eh bien, de la mutation à venir qu'il faut maintenant construire. Pour en débattre, je vais inviter à nous rejoindre Serge Morvan, qui est le directeur général des collectivités locales, qui est aussi le directeur de cabinet d'André Vallini, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, Thierry Burlot, qui représente ici la région Bretagne. Il est vice-président du Conseil régional de Bretagne, en particulier chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement au Conseil régional. Vous restez avec nous, monsieur le professeur. Franck Lès, qui est le responsable des finances à l'Association des maires des grandes villes de France. Dominique Corins, qui est économiste et membre de Fondafip. Et puis Bertrand Huguin, le directeur général des services de Brest Métropole Océane et de la ville de Brest. Voilà, on avait une table ronde un peu plus paritaire ce matin, mais on compte sur vous aussi pour les questions et l'interpellation. Hein, je vous le dis vraiment, il s'agit tout au long de cette journée d'être dans l'échange. Il y a une collectivité qui n'est pas présente à cette tribune, un niveau de collectivité, mais dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, dès le début de la matinée avec Marie-Lise Lebranchu, c'est le département. Pierre Maille, le président du Conseil général du Finistère, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à s'exprimer, et s'exprimer à travers une vidéo. On va la retrouver tout de suite. Alors, on parle depuis longtemps d'une réforme des collectivités territoriales. Je crois qu'il y a sans doute quelques idées générales qui pourraient ou qui guident cette réforme. D'abord, il me semble qu'il est nécessaire de reconnaître la diversité du territoire. C'est-à-dire que la réforme devrait permettre peut-être que l'organisation ne soit pas systématiquement la même partout. Dans certains territoires, il y a des métropoles, ailleurs beaucoup de petites communes, ailleurs le département joue un rôle essentiel, ailleurs peut-être un peu moins visible. Donc je crois qu'il faut sans doute admettre la diversité du territoire. Ensuite, repartir peut-être des besoins de la population et de regarder les comment s'organisent de la façon la plus efficace les services dont la population a besoin pour vivre sur un territoire et comment s'organisent aussi les mécanismes de solidarité. Il y a, on le sait bien, des territoires plus ou moins riches que d'autres, des territoires avec des vocations différentes. Comment on organise cette cohésion territoriale, cette péréquation entre les ressources? Bon, et donc comment, finalement, on propose une organisation territoriale qui est calquée sur la situation que l'on connaît sur le terrain. Brest vient d'obtenir, et je crois que c'est une très bonne chose, le statut de métropole. Parmi les premières villes, et un peu de façon exceptionnelle dans sa catégorie en termes de taille. Mais la taille n'est pas le seul critère. Ce qui caractérise une métropole, ce sont les fonctions qu'elle peut remplir. Fonction d'enseignement supérieur, fonction de recherche, fonction de commandement, fonction financière, fonction en termes d'emploi, fonction de services de haut niveau à la population. Et Brest remplit ces fonctions-là. Et donc je crois que la métropole a un rôle essentiel vis-à-vis de tout son environnement, au-delà même de ses frontières administratives, de communautés urbaines, pour tirer tout un territoire en termes d'emploi, en termes d'attractivité, en termes de qualité de vie, en termes de services à la population. Et je pense qu'au sein du département du Finistère, il est important d'avoir ce type de ville avec toutes ces fonctions-là. Alors bien entendu, il faut que la métropole, en remplissant ses fonctions, et il faut que nous l'accompagnions, que le département l'accompagne pour remplir toujours au mieux ses fonctions, en même temps, soit utile à l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que l'on ne soit pas sur quelque chose qui va aspirer toutes les richesses du territoire, mais qui, au contraire, va permettre de diffuser, de maintenir des mécanismes de solidarité, puisque l'on sait bien, quand l'on regarde les modes de vie sur notre territoire, que à peu près
je ne sais pas si c'est la moitié des emplois, en tous les cas, sur le territoire de la métropole, sont occupés par des gens qui vivent à l'extérieur de la métropole et qui, donc, tous les jours vont se déplacer, tous les jours vont circuler. Et je crois que l'on a besoin de ces mécanismes de solidarité qui vont faire que la métropole sera au service non seulement de ses habitants, mais finalement d'un territoire beaucoup plus vaste. C'est, en fait, c'est ça, la définition de sa fonction. Alors, le Premier ministre a évoqué plusieurs scénarios pour l'évolution de la réforme de nos collectivités. Les propositions ont été jusqu'à présent extrêmement diverses sur cette réforme, et donc il serait sans doute à la fois prématuré et présomptueux de préjuger de ce que la loi sera quand elle aura été votée par les parlementaires. Le modèle lyonnais, où la communauté urbaine de Lyon a absorbé les fonctions départementales pour laisser un territoire résiduel rural autour sous la forme du conseil général traditionnel. Et peut-être adaptée à Lyon, je ne suis pas sûr qu'elle corresponde au modèle finistérien et à la situation du Finistère. Je pense que l'évolution, en particulier des missions sociales, peut se faire de façon différente selon les missions elles-mêmes. Certaines missions, je pense à tout ce qui concerne les personnes âgées ou les politiques autour des personnes âgées, peut très bien, à mon avis, être gérées par des intercommunalités si elles le souhaitent, et par la métropole. En ce qui concerne les politiques du handicap, je pense qu'on a besoin d'une échelle plus large et qu'il faut sans doute être capable de dissocier l'échelle de la planification, de l'organisation, de la vision globale des besoins à la population sur un territoire assez large, et le dissocier de ce qui est éventuellement la gestion au quotidien d'un établissement ou de services à la population. Mais je crois qu'on a besoin d'une échelle plus large. En ce qui concerne les politiques de l'enfance, si on essaie de balayer un peu les différentes catégories de politiques sociales, les politiques de l'enfance, à mon avis, ont besoin d'une distance par rapport à la situation des familles. Et je crois que l'intercommunalité est sans doute moins bien adaptée à la réponse, une réponse ou à une vision globale et responsable de ces politiques-là. Donc moi, je suis sans doute très, très interrogatif sur la façon dont on peut évoluer. Je pense que l'on peut avoir des conventions. On a déjà des conventions entre le Conseil général pour ses missions sociales et Ville de Brest. Mais en ayant en tête que les politiques sociales aujourd'hui sont très peu traitées à l'échelle intercommunale. Elles sont toujours traitées à l'échelle communale, rarement à l'échelle intercommunale. Donc cela suppose d'abord, dans un premier temps, une évolution forte des intercommunalités, à la fois dans les compétences qu'elles exercent et en même temps peut-être dans la taille. Alors, ce n'est pas le cas de la métropole, puisqu'elle a déjà une bonne taille, mais je pense aux autres intercommunalités du département. Donc, la question de la fédération des intercommunalités, à mon avis, suppose d'abord qu'il y ait eu une reconstitution, une restructuration des intercommunalités pour en améliorer la taille, en renforcer la taille, et surtout qu'elles évoluent en termes de compétences. C'est sans doute la condition pour que l'on puisse ensuite construire des modèles. Bon, je pense que le meilleur modèle, c'est celui qui correspond à la volonté des élus locaux, c'est-à-dire à des partenariats construits en fonction des situations locales. Voilà donc la parole des départements, et en particulier sur ce territoire finistérien, à travers cette intervention de Pierre Maille, le président du Conseil général du Finistère. On voit le poids aussi d'une gouvernance multiniveau, on en parle depuis le début de la matinée, mais on va repartir dans le débat avec les propos de Michel Bouvier en tête, qui montrent cette mutation qui est à l'œuvre. Hein. Alors, les métropoles, leur rôle dans la future organisation territoriale française. Et monsieur le professeur, vous avez beaucoup posé des questions sur les ressources de ces métropoles et plus généralement les ressources des collectivités territoriales, des acteurs publics territoriaux. Pour commencer la discussion, je vais me tourner vers Serge Morvan, le directeur général des collectivités locales, qui est aussi le directeur de cabinet d'André Vallini, le secrétaire d'État à la réforme territoriale. Alors, dans le propos introductif de Michel Bouvier, on a bien vu que des questions qui se posent à partir de concepts comme l'autonomie fiscale, la fiscalité propre, le partage des impôts,
Il y a une nouvelle architecture institutionnelle que vous êtes en train de construire, après la loi MAPTAM, la loi NOTRe, mais ce qui va être important aussi, c'est l'accompagnement financier, fiscal de cette réforme qui est indispensable si on en juge les propos du président de Fondafip. Peu importe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Et je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif de votre question, puisque c'est le plus important. Alors, effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de Michel Bouvier, qui est assez, effectivement, significatif sur l'évolution des relations financières entre l'État et les collectivités locales d'une part, et puis au sein des collectivités locales elles-mêmes, si on tient compte de la fiscalité locale. Effectivement, les choses ont pas mal évolué, mais depuis plusieurs années. C'est pas très récemment que ça a évolué, sauf que le contexte budgétaire d'aujourd'hui met en relief, effectivement, les difficultés que cela peut poser lorsque on est obligé de rechercher, par exemple, 3 670 millions d'euros par an de baisse des dotations aux collectivités locales. Comment on réussit, le moins mal possible, à répartir cette baisse? Et à partir de ce moment-là, ce que l'on voit, le choix qui a été fait depuis des années par les gouvernements, mais qui est encore plus net aujourd'hui, c'est celui, finalement, du pilotage, entre guillemets, global de dépenses publiques qui sont suivies très précisément, non seulement au sein de l'appareil d'État, Cour des comptes et autres, mais aussi avec nos partenaires européens avec lesquels, évidemment, nous travaillons, qui est celui de l'évolution de la dépense publique et l'évolution de plusieurs critères qui auparavant n'étaient pas toujours aussi pris en compte. Premièrement, non seulement l'évolution du déficit, bien sûr, mais aussi l'évolution du montant de la dépense, l'évolution du taux des prélèvements obligatoires. Et de ce fait, le choix qui a été fait était plutôt, et qui est fait aujourd'hui, très clairement, est celui d'un pilotage par la recette. Donc finalement, en se disant, en partant d'un principe de base discutable, contestable, mais en tout cas qui est celui-là, qui est de dire, si on diminue de 11 milliards d'euros en 3 ans les recettes des collectivités locales, il va y avoir une maîtrise plus forte qu'auparavant de l'évolution de la dépense publique locale. De combien cette évolution va-t-elle être diminuée? Évidemment, c'est difficile à savoir, parce que c'est le problème, alors je ne vais pas faire de cuistre, mais c'est un problème d'élasticité de la dépense par rapport à la recette. Si effectivement la dépense est totalement élastique par rapport à la recette, eh bien, à partir de ce moment-là, on aura 11 milliards d'euros de diminution de la dépense publique locale. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des APUL, en gros, on est un peu plus de 250 milliards d'euros de dépenses publiques locales. 240 pour les collectivités locales, 15, 17 pour les syndicats, enfin bon, etc., etc. Donc, effectivement, on pourrait se dire, dans 3 ans, ça va faire 240 et des poussières, moins 11. D'accord ? Or, on sait que ce n'est pas ça qu'on va obtenir. Pourquoi on ne va pas obtenir cela? Parce qu'évidemment, il y a une évolution des autres recettes des collectivités locales. Aujourd'hui, dans l'ensemble du bloc des collectivités territoriales, la DGF, par exemple, représente 28% des recettes. Ce qui veut dire qu'il y a 72% d'autres recettes des collectivités locales. Dedans, évidemment, les recettes fiscales sont les plus importantes. Et donc, ces recettes fiscales vont évoluer selon deux principes. Premièrement, une évolution d'assiette et éventuellement une évolution de taux. Et donc, ce sur quoi parie le gouvernement, bien évidemment, c'est une certaine maîtrise de l'évolution des taux. Modération, je devrais dire, de l'évolution des taux. Par contre, l'évolution des bases sera finalement un peu, non pas proportionnelle,
mais proportionné à l'évolution de l'économie française, évidemment, et du revenu aussi. Dans un contexte où l'économie française diminue, on peut imaginer qu'effectivement la revalorisation des bases ne sera pas très élevée. Mais elle existe encore. C'est une constante depuis plusieurs années. Et enfin, évidemment, va se poser la question pour les collectivités locales de savoir, un, sur quelles dépenses les économies sont possibles. Fonctionnement, évidemment, étant la cible du gouvernement lorsqu'il propose cela. Parfois, le fonctionnement n'est pas si facile à diminuer et difficile parfois de le diminuer rapidement. Il y a une certaine rigidité, j'allais dire, des dépenses de fonctionnement. Donc, reste à savoir, effectivement, si la diminution des recettes va se traduire par des économies de fonctionnement tout en gardant des investissements élevés, ou va-t-elle au contraire se traduire par de faibles économies de fonctionnement et des investissements réduits. C'est évidemment toute la question de ces quelques années à venir, et notamment de 2015, parce qu'il va y avoir au fur et à mesure en 2016 et en 2017 certainement un processus de diminution des dépenses de fonctionnement que nous espérons effectivement productif en la matière. Alors, évidemment, aujourd'hui, je mentirais si je vous disais qu'on est sûr et certain de ce qui va se passer en 2015, 2016 et 2017. Mais je n'ai pas vu beaucoup d'experts susceptibles de me dire ce qui va effectivement se passer. On a des credos. On se dit, moi, je crois que ça va être comme ça. Moi, je suis sûr. Alors ça, c'est un credo en étant sûr, mais c'est un credo quand même. Moi, je suis sûr que ça va être comme cela. Mais c'est difficile de démontrer, effectivement, quelle va être l'économie réelle sur les dépenses publiques locales. Alors, je ne sais pas si... Mais je peux continuer. Non, justement, on pourrait... Enfin, on va continuer en se disant... Vous avez une heure et demie, c'est l'an 1 des métropoles dans ce contexte. Et alors, justement, ces métropoles qui ont des projets... Ce matin, on a parlé de leurs compétences, de leur envie de faire, comment elles sont dans ce système que vous dessinez, et qu'est-ce qu'elles doivent faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'au niveau central, on avait imaginé quand on refaisait cette répartition des rôles, on crée un acteur plus puissant pour reconnaître le fait urbain. On a parlé de locomotive. Comment vous voyez la locomotive avec un peu de charbon pour avancer? Alors, le principe de base qui a été là aussi mis en avant, c'est de dire qu'aucune catégorie de collectivité locale ou de ses groupements ne peut échapper à la contribution au redressement des finances publiques. C'est un principe philosophique, presque, plus qu'économique. À partir de ce moment-là, effectivement, les métropoles ou les grandes agglomérations, comme les autres niveaux de collectivité territoriale, comme les autres catégories de collectivité territoriale, sont soumises à une contribution au redressement des finances publiques. Comment la calculer de la manière la plus juste possible? C'est vrai que, après en avoir beaucoup discuté avec le comité des finances locales, plusieurs réunions, plusieurs groupes de travail, l'année dernière déjà, puisqu'on a déjà fait moins 1,5 milliard en 2014, il a été décidé de le faire selon un système qui était plutôt de rabot, en fait, hein, qui était un système proportionnel, c'est-à-dire un peu pour tout le monde, la proportion de ces budgets dans l'ensemble des budgets locaux généraux ou dans l'ensemble du budget national. François Marc a eu à gérer ça comme rapporteur général du budget au Sénat. Oui, c'est sûr. Je vous ai expliqué dans le détail. Je l'ai entendu ce matin. Et donc, à partir de ce moment-là, on a quand même une évolution positive pour une certaine catégorie de métropoles. Toutes celles qui étaient communautés d'agglomération et qui deviennent communautés urbaines vont, en matière de DGF, passer de 40 euros par habitant en moyenne à 60 euros par habitant en moyenne. Pas toutes de manière aussi nette, évidemment, parce que ce n'est pas proportionnel. Il y a un calcul après interne à l'intérieur des métropoles. Mais, en gros, le surcoût, d'une certaine manière, sur la répartition de la DGF ou l'attribution complémentaire en matière de DGF, sur les métropoles droit commun, hors Marseille et Paris, est en gros de 40 millions d'euros.
Bon, c'est pas suffisant, certes, mais malgré tout, je tiens à le dire pour être complet. Ensuite, effectivement, on aura exactement le même problème dans les métropoles que dans les autres niveaux de collectivités territoriales. Comment réussir à utiliser au mieux les ressources et les recettes actuelles, à économiser ou maîtriser le mieux possible les dépenses actuelles pour dégager des marges de manœuvre, pour prendre en charge les compétences qui sont celles des métropoles aujourd'hui. Je ne parle pas des compétences transférées des départements par convention ou autre, comme parlait Pierre Maille à l'instant, puisque là, il y a des transferts de ressources qui vont en même temps que les transferts de compétences. Je parle des compétences nouvelles exercées par les métropoles. C'est le pari, et c'est à la fois l'enjeu, de la place des métropoles de demain. Alors, il y a des discussions, évidemment, très précises aujourd'hui pour savoir est-ce que le mode de répartition de la baisse est juste ou non vis-à-vis des métropoles. Je pense qu'on aura pas mal de discussions pendant le projet de loi de finances, si j'en crois ce que m'ont dit mes deux voisins de tout à l'heure à l'instant. Alors là, on parle des finances et vous avez évoqué l'économie des territoires, hein, avec la partie des bases de la fiscalité locale. Maintenant, si on pense à la compétence et au rôle des métropoles sur le développement économique de leur territoire et au-delà de l'articulation avec les régions, comment aujourd'hui vous abordez ce point de ce rôle pour l'économie locale et dans l'articulation avec la région? Notre principe, décidément j'y tiens, mais de départ était de dire on veut d'abord évidemment favoriser le développement économique local, d'où l'emploi et la croissance. Et on a voulu faire un maillage vertical et horizontal du territoire. Le maillage vertical, c'est les métropoles. Il n'y en a pas partout, mais c'est les métropoles. C'est les locomotives dont vous parliez tout à l'heure. C'est finalement des territoires où il y a d'ores et déjà un certain nombre d'atouts, plus que dans d'autres territoires moins favorisés de ce sens-là, dans ce sens-là, pour que ces territoires avec ces atouts puissent avoir encore plus de possibilités de les mettre en œuvre. Les fameuses fonctions métropolitaines. Les fameuses fonctions métropolitaines. C'est aussi le niveau général de technique, une proportion de cadres beaucoup plus importante que dans d'autres territoires, enfin, etc., etc. Et donc ça, c'est le maillage vertical. Mais le pari du maillage vertical, c'est de dire comment on arrive, à partir du moment où on constate de la croissance dans les métropoles, à ce que cette croissance soit répartie le mieux possible et puisse irriguer finalement ce que les géographes appellent parfois les territoires interstitiels. Comment on arrive effectivement à faire irriguer cette croissance ailleurs que sur le seul territoire de métropole? Et ça, c'est tout ce qu'on a essayé de faire dans le... Et je parle en matière institutionnelle, parce qu'il n'y a pas que de l'institution là-dedans. En matière institutionnelle, avec la modification des pôles métropolitains et la création des pôles d'équilibre territoriaux, qui ont pour objet, effectivement, de permettre à des réseaux de villes autour de la métropole ou à côté, ou des pôles plus ruraux, de se mettre en collaboration avec les métropoles pour, effectivement, bénéficier d'une partie de cette croissance. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Et pour cela, on a voulu développer un maillage horizontal, qui, lui, est celui des régions. Pourquoi les régions? Parce que sur des régions de grande taille, effectivement, on a la possibilité de faire un peu plus qu'ailleurs de l'aménagement du territoire et de la péréquation territoriale. Et donc, ça nous permettait de compléter les locomotives par l'aménagement du territoire et de la péréquation entre les hommes et les territoires. Et donc, la question, évidemment, et vous l'avez dit ce matin, on le redira tout à l'heure, la question, évidemment, celle des intersections aussi. Comment, sur le territoire des métropoles qui sont dans des régions, on arrive effectivement à assurer la complémentarité des actions et pas le conflit des actions qui serait effectivement mortifère? On va poser la question à notre voisin, justement, qui est vice-président du Conseil régional de Bretagne, Thierry Burlot. Vous êtes en charge en particulier de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la région Bretagne. Cette région Bretagne qui a deux métropoles, comment vous vivez aujourd'hui cet an 1 des métropoles et comment vous voyez l'architecture du nouveau système pour la région?
Bien écoutez, pour nous, Région Bretagne, c'est vrai que l'aménagement de ce territoire est l'une de nos priorités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moins de 20% de la population bretonne vit en métropole. Donc pour nous, on a quand même une région assez spécifique parce que deux métropoles, mais deux petites métropoles. Dans une économie bretonne qui est aussi très particulière. Et très maillée de petites villes, de bourgs. Voilà. Donc nous, ces deux métropoles, il s'agit de les reconnaître, bien sûr. Et le rôle de la région, je crois, est d'assembler ces territoires et non pas de les diviser. Donc de trouver, avec ces deux outils d'aménagement du territoire aujourd'hui, les bonnes relations et les bonnes complémentarités dans un moment où, on l'a dit, les finances publiques se font rares. La région Bretagne fait le pari d'un aménagement du territoire autour de ces 21 pays, parce qu'on a une spécificité. Et aujourd'hui, finalement, on a deux pays métropolitains, donc avec une attention particulière qu'on devra avoir sur le rôle moteur que ces métropoles vont jouer en Bretagne. L'image de la locomotive, elle vous parle pour le territoire régional ? Oui, surtout en ce moment avec les grands chantiers bretons. Mais pour dire que notre souci aujourd'hui, dans un contexte de tension aussi financière pour les régions, c'est notre capacité à agir, finalement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et la question qui nous est posée, finalement, au-delà de nos souhaits que l'on peut avoir et les uns et les autres, c'est cette capacité à développer, parce que je vous ai bien entendu, monsieur le directeur. Mais vous savez, nos marges de manœuvre sont quand même extrêmement limitées. Hein, et ce qu'on va donner aux autres, faudra bien aller le chercher. Hein. Donc c'est ce souci-là que l'on a, nous, aujourd'hui, hein, région. Et moi, je suis convaincu que la région Bretagne, quelle que soit sa dimension demain, sera trouvée... les partenariats nécessaires et l'ambition nécessaire de travailler en commun avec les métropoles. Quand il dit, quelle que soit sa dimension, c'est-à-dire vous imaginez une troisième métropole. Oui, par exemple. On trouvera les clés du partenariat parce qu'on aura, de toute façon, on n'aura pas d'autre alternative. On n'aura pas d'autre alternative. Mais la question qui est posée, c'est quelle force d'attractivité et quelle force d'entraînement ces métropoles ont pour la Bretagne. C'est la question fondamentale. Dans son économie aujourd'hui, ou dans ses économies. Et alors justement, avec les nouveaux outils qui vont vous être confiés, la construction de schémas, le dialogue, la contractualisation avec les métropoles, vous la voyez comment Écoutez, nous aujourd'hui, on travaille sur une contractualisation 2014-2020 à partir de nos 21 pays. On a deux pays métropolitains aujourd'hui et on aura des contrats spécifiques. Mais ça n'empêche pas la région d'avoir des grandes politiques sectorielles. Et si je prends l'exemple de la métropole rennaise, par exemple, on sait que la métropole rennaise, sur les politiques sectorielles, c'est le pays qui, finalement, a mobilisé le plus de fonds publics dans la dernière génération. Il faut quand même qu'on se dise les choses. Hein ? Donc aujourd'hui, même si elle n'avait pas le label métropole, c'est elle qui captait le maximum de financement public de la région. Donc ça, c'est une réalité. Alors, c'est le moins vrai pour Brest. Et qui doit aussi son statut actuel. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour défendre la pointe de la Bretagne. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les métropoles déjà jouent un rôle moteur en termes de grandes infrastructures et de grands schémas régionaux. Donc pour nous, il est question de poursuivre. Mais notre volonté en Bretagne, compte tenu de la spécificité du territoire breton, compte tenu des 21 pays, c'est de contractualiser avec tous les pays de Bretagne. Parce que tous les pays de Bretagne contribuent aussi au développement, non seulement de nos métropoles, mais de la région Bretagne, qui a quand même des économies toutes particulières autour de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du tourisme notamment. Et ces vocations principales ne peuvent être développées que sur l'ensemble du territoire breton et peuvent profiter bien évidemment ensuite aux métropoles. Mais pour cela, vous êtes aussi en coproduction avec les métropoles. Mais il faut qu'on le soit. Et pas seulement pour leur territoire métropolitain, mais pour tout ce qu'elles irriguent autour d'elles. Oui, et j'ai même envie de dire qu'au moment où on parle de réforme des collectivités, ce qu'a dit Pierre Maille tout à l'heure, aujourd'hui, compte tenu de nos spécificités bretonnes, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble sur une clarification de nos compétences et de nos fonctions, finalement. Et moi, je crois dans la capacité des Bretons,
qu'ils soient aujourd'hui à la région, dans les départements ou dans les métropoles ou dans les intercommunalités plus globalement, à construire un modèle spécifique dans cette région compte tenu de son histoire. Thierry Burlot, on y reviendra tout à l'heure et préparez vos questions hein, sur cette articulation entre métropole et région. Mais aujourd'hui, comment les grandes villes abordent cette question? D'abord, dans un contexte de réduction des finances, c'est peut-être intéressant de voir avec vous, Franck Lesse, où on en est, quelle est l'attitude en ce début de mandat? Parce que là aussi, hein, s'il y a l'an 1 des métropoles, il y a le début d'un cycle, un cycle municipal, un cycle urbain pour ces grandes villes et métropoles. Comment ils se positionnent, les adhérents de la MGVF, dans ce début de cycle? Alors, merci, bonjour à tous. Et effectivement, le contexte n'est pas banal, c'est un contexte historique. Désolé d'y revenir, mais cette fameuse baisse des dotations, c'est quelque chose qui n'a jamais été connu, qui nous emmène vers un territoire inconnu d'une certaine façon. François Marc parlait de restrictions conséquentes, nous on parle plutôt de choc, d'une brutalité inouïe. Bon, peut-être qu'il y a une part de jeu de rôle. Ceci étant, derrière ce vocabulaire, il y a quand même la question du rapport au temps qui est posée. Collectivité, la gestion des collectivités. Une collectivité, c'est un paquebot. Et là, vous demandez à un paquebot... Et on est dans une ville portuaire, donc l'image est bonne. Voilà, d'avoir un comportement de hors-bord, si je puis dire. Bon, rendez-vous dans un an, rendez-vous dans deux ans, on fera des points d'étape. Là, on en est au stade zéro. Alors, la deuxième chose, bien évidemment, ça a été dit, mais je le reprends à mon compte, c'est que les différents territoires, les différentes collectivités, ne sont pas dans une situation d'égalité. Bien évidemment, il y a des fondamentaux au regard de la situation de leur population, au regard de leur niveau de richesse fiscale, pour prendre des choses classiques, mais également, et c'est moins dit, au regard de leurs pratiques et de leur anticipation. Et on est, premier point, dans une situation un peu paradoxale, où toute chose égale par ailleurs, les collectivités qui se trouvent, j'allais dire entre guillemets, les plus démunies en termes d'action politique, pas en termes financiers, bah, ce sont d'une part les collectivités qui ont le mieux anticipé et d'autre part les collectivités qui ont voulu être dans un rôle contracyclique d'accompagnement des politiques publiques nationales. Si je commence par les secondes, bah, on va trouver là effectivement un certain nombre de grands territoires urbains qui, par rapport à un phénomène de société qui est la problématique du logement, et donc la problématique du manque d'offres par rapport à des équilibres entre l'offre et la demande, ces collectivités qui sont les plus engagées dans ces politiques qui vont générer un besoin d'équipement nouveau se trouvent effectivement un petit peu les jambes coupées. Donc ça, c'est celle qui était dans une logique contracyclique et paradoxalement, celle qui aussi se trouve les plus coincés, toutes choses égales par ailleurs, bah, c'est les collectivités qui avaient anticipé, puisque ça a été rappelé, Michel Bouville l'a rappelé, bien évidemment, le contexte global des finances publiques, on ne l'a pas découvert cette année, on ne l'a pas découvert il y a même 5 ans, c'est antérieur, même si en termes d'action, c'est un autre sujet. Ceci en termes d'action, il y a des collectivités qui ont anticipé, c'est les collectivités qui, en termes de gestion locale, hein, ont le plus travaillé leurs dépenses de gestion. Mais une fois qu'on a, pour prendre des choses de façon un peu triviale, une fois qu'on a consommé le gras qu'il y a sur l'os, bah, il n'y a plus de gras. Donc juste deux petits points pour bien montrer que les inégalités de situation sont aussi le fruit de politiques publiques et pas simplement d'une situation factuelle en termes de définition des populations ou du niveau de richesse. Alors, ceci étant, la question, pour la poser de façon peut-être un peu plus technique, hein, de façon un peu brutale, la question qui est posée, c'est comment faire face, on vous entend, comment faire face à une amputation de la capacité d'autofinancement qui, si on prend toutes les collectivités globalement, hein, c'est un rapport entre, pour 2015, 3,7 milliards d'une part, et puis 29 milliards qui est schématiquement le total de l'autofinancement de toutes les collectivités. Ça fait 12,5%. Sur les grandes agglomérations, on est plutôt entre 15 et 20%, enfin, peu importe, en sachant que le sujet, c'est pas une année, c'est 3 années de suite. Donc Serge Morvan posait la question de l'élasticité de la dépense par rapport à cette baisse de ressources. J'ai pas plus que quiconque la boule de cristal. Ceci étant,
il nous a paru important, et vous y faisiez allusion, d'essayer de regarder où on était sur le plan local, donc de façon monographique, les préparations des débats d'orientation budgétaire et l'élaboration des programmes pluriannuels d'investissement. Alors on a beaucoup communiqué sur effectivement et la baisse des investissements qui se profilait de façon pluriannuelle. Ça n'a, pour des raisons de cycle électoral, ça n'a guère d'intérêt de raisonner de 2014 vis-à-vis de 2015. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'appréhender quelles sont les perspectives de mandat municipal à mandat municipal, donc sur des périodes pluriannuelles de 6 ans. Et les méthodologies d'enquête toutes simples que nous on a utilisées, les méthodologies plus macroéconomiques qui ont été faites par des tiers, je pense à la Banque Postale par exemple, arrivent à des résultats qui peu ou prou sont les mêmes. On va descendre d'une marche à hauteur de 30%, évidemment, selon les agglomérations auxquelles je me réfère, la marche varie entre 10 et 50%, mais le chiffre, 25-30%, c'est une fourchette, hein, mais c'est un ordre de grandeur qui, je pense... 30% pour l'investissement de mandat à mandat, c'est-à-dire le mandat 2014-2020 versus le mandat 2008-2014, très, très, très schématiquement. On a beaucoup communiqué dessus parce que l'impact économique est immédiat. Et j'allais dire, on a beaucoup communiqué, plus que sur l'impact social, de mon point de vue peut-être malheureusement, parce que on le voit en lisant la presse ces derniers jours, la question de la défense des services publics locaux sur le plan médiatique, en tout cas, il faut être lucide, on a un petit peu loupé le cloche et on a un petit peu oublié que les services publics locaux étaient peut-être le patrimoine de ceux qui n'en avaient pas, justement. Donc, en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne l'impact économique, effectivement, un impact sur la croissance, un impact sur le BTP, un impact sur la compétitivité, je vais pas revenir, ça prendrait peut-être un peu de temps pour livrer les chiffres, hein. Mais ça, c'est ce que les élus, ce que les politiques mettent à juste titre, mais il y a aussi une autre réalité qui est peut-être plus connue, elle, des directeurs financiers, des DGS, qui est un peu plus technique, qui est tout simplement l'équilibre de la section de fonctionnement. Et là, il y a également un vrai sujet sur l'équilibre de la section de fonctionnement. D'ailleurs, je dis au passage, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu techno, que sur un plan strictement technique, il aurait été certainement préférable d'imputer la baisse des dotations sur le FCTVA que sur la DGF. Alors le paradoxe, c'est que politiquement, cette réalité technique est absolument impossible à exprimer sur le plan politique. Mais enfin, ça, c'est nos paradoxes. Je vois que vous voulez répondre, Serge Morvan se sourit. voilà, on est entre nous en quelque sorte. Alors, quels sont, c'est la question que vous me posiez, quels sont les leviers, même si c'est un paquebot, ça se dirige, quels sont les leviers qui, de façon prospective, sont envisagés donc par ces grands territoires urbains métropolitains. Là, il y a un an, vous savez, on devait déjà faire face à une baisse d'1,5 milliard. Il y a un an, le débat a été posé sous la forme quels sont les leviers qu'on va utiliser lorsqu'on réunissait nos DGS entre nous, quels sont les leviers qu'on va utiliser, quels sont les leviers que vous utilisez, que vous pensez utiliser par rapport à ceux que vous n'utiliserez pas. Au jour d'aujourd'hui, un an plus tard, le débat est radicalement différent. Le débat n'est plus de choisir des leviers, il est d'identifier la totalité des leviers et de voir comment on peut les actionner tous à la fois de façon concomitante. Alors, il y a trois axes majeurs, hein, tout ce que je vais dire là est assez connu, il n'y a pas grande originalité, mais ce n'est pas le but. Premier axe majeur, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne les dépenses de personnel, tout simplement, pour des raisons arithmétiques, c'est et de loin, même si entre les villes et les communautés, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est et de loin le poste de dépense principal. Donc, il y a partout, je dis bien partout, absolument un sujet qui va se traduire, alors, certains endroits, c'est plus les politiques d'avancement qui sont mises en question. D'autres endroits, on travaille plus sur le volant des non-titulaires. Mais partout, la question est celle du niveau de TP. Avec une question qui est sous-jacente, d'ailleurs, sur ce sujet, et je pense qu'on va en reparler dans les mois et dans les années à venir, c'est quelle est la part de levier que je vais appeler d'endogène, c'est-à-dire qui est vraiment à la main des collectivités, et quelle est la part de levier qui est exogène. Alors il y a des débats, et je pense que selon les territoires, les chiffres ne sont pas les mêmes, sur les grandes agglomérations, en tout cas sur 2014, on était sur un levier qui était majoritaire.
majoritairement exogène. Et ça pose, vous le comprenez bien, si je dis ça, c'est que ça pose bien la question de, on fixe des objectifs et vous n'avez pas les outils pour atteindre ces objectifs. Deuxième levier, c'est la question de la remise en question du niveau de subvention qui est alloué aux associations. Je citais aussi des chiffres sur l'investissement. Là, on est sur des fourchettes entre moins 15% selon nos adhérents, en sachant que peut-être qu'en année une, ça passe, mais en réitérant ce genre de choses, au bout de 3 ans, je pense qu'on ne sera pas sans conséquence sur le tissu social, j'allais dire malheureusement. Alors, troisième levier, et d'une façon générale, le principal, c'est bien la reconsidération du niveau de service, que de façon un peu, c'est pas très joli, technocratique, on appelle le rebasage du périmètre d'intervention. Et là également, les collectivités, certaines ont anticipé, plus ou moins, mais force est de constater que ça renvoie aux problématiques de l'évaluation des politiques publiques qui est effectivement développée de façon inégale selon les territoires. Donc trois grands axes et puis 6 leviers, j'allais dire, qui sont de façon complémentaire majoritairement considérés. Alors le premier que je vais citer, c'est peut-être le seul d'ailleurs où la dimension politique au sens classique du terme, étiquette politique, a encore un petit peu de sens, c'est ce que j'appelle la modification des barèmes d'aide sociale, c'est-à-dire qu'on va effectivement, par rapport à une population ciblée, comme devant, je parle là de l'action municipale, je ne parle pas de l'action des conseils généraux, c'est un autre sujet, mais au niveau des CCAS par exemple, la révision de ce que j'appelle ces barèmes d'intervention, donc quelque part d'exclusion des politiques qui sont des populations pardon qui sont bénéficiaires se pose. Deuxième barème, la révision des politiques tarifaires, ça je crois que c'est à peu près je regarde Bertrand Guen, je ne sais pas si c'est le cas, on n'en a pas discuté à Brest, mais si ça n'a pas été fait, c'est en train d'être fait. Troisième levier, les politiques d'achat public. Alors là, de la même façon, on n'a pas attendu la situation actuelle, et je crois qu'à Brest, vous aviez déjà travaillé sur les tramways pour, j'ai oublié combien de temps, mais quelques années, essayer de travailler de façon concomitante en réseau avec d'autres agglomérations pour optimiser l'achat public. Bon, sur ces leviers, je rajouterai trois autres, question du patrimoine. Là, je crois que c'est assez consensuel, il y a effectivement une gestion active qui n'est pas peut mériter d'être développé, le but étant pas simplement de le céder en tant que tel, puisque ça peut être des recettes, mais c'est des recettes qui viennent une seule fois, et la problématique auquel on est confronté, vous l'avez compris, d'érosion de l'autofinancement, elle est pérenne, mais également pour alléger un petit peu cette gestion patrimoniale. Enfin, j'en termine par deux derniers, la révision des politiques d'externalisation, et ça, ce qui est très intéressant sur ce que j'appelle la révision des politiques d'externalisation, c'est-à-dire la remise en question du mode de production d'un certain nombre de services publics locaux par rapport à une situation de départ, quand, pour rester sur des choses simples, quant à l'alternative régie délégation. Et là, beaucoup de collectivités nous disent que le sujet n'est plus nécessairement celui du moindre coût, donc celui de l'optimisation financière, mais la nécessité de retrouver la flexibilité. Dit autrement, on risque d'avoir des exemples de situations paradoxales. On fait le choix de faire payer plus cher un service public local parce qu'on a besoin d'un levier et que l'externalisation est, toute chose égale par ailleurs, synonyme de levier. Donc des choses un petit peu inquiétantes de mon point de vue. Et dernière chose qui est un petit peu inquiétante par rapport à notre problématique du jour, c'est également la révision des politiques de solidarité intra-communautaire, notamment avec la baisse des dotations de solidarité communautaire, qui était une forme apparente, peut-être pas la forme la plus puissante, hein, on le sait, la forme la plus puissante de solidarité, c'est bien l'intégration des compétences, mais la forme apparente, entre guillemets, c'était les dotations de solidarité communautaire. Alors, il y a des leviers dont je ne parle pas, et ça peut sembler surprenant, c'est le levier fiscal. Volontairement, j'en parle pas parce qu'absolument quasiment toutes les collectivités, tous les élus nous disent la question du levier fiscal, c'est celle qu'on décidera au dernier moment.
in fine, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est de ne pas y toucher, et on va tout simplement voir. Alors généralement, si... on y touche plutôt en début de mandat. Voilà, donc là, il y a bien une inversion, et ce changement de paradigme trouve déjà des compétences immédiates. Il y a un levier dont je ne parle pas non plus, c'est celui de l'endettement. Pourquoi ? Parce que le sujet... premier, c'est bien celui de l'épargne. C'est pas sur la section d'investissement que les choses se passent, c'est bien sur la section de fonctionnement. Ceci étant, sur l'endettement, et puis en plus sur l'endettement, moi très sincèrement, ce que je pense en tout état de cause, c'est qu'on va bien avoir une marche, on va descendre en termes de volumétrie d'investissement, mais je ne sais pas si on va descendre en termes de recours à l'emprunt, parce qu'il y a deux hypothèses. Soit on descend à dû concurrence, soit on renforce la part relative de l'emprunt. Et ça, c'est un point d'interrogation. Je pense qu'on aura des comportements assez variés, ce qui n'est pas illégitime puisque les situations de départ sont extrêmement hétérogènes. Alors, la conclusion, enfin deux points de conclusion. Le premier point, c'est, vous l'avez compris, c'est que toutes les actions relevant de l'optimisation des pratiques de gestion ne sont pas suffisantes en tout état de cause. C'est bien le niveau du service rendu et le périmètre d'intervention des collectivités qui est questionné. Le deuxième point, je n'ai pas parlé non plus, je m'en aperçois, de mutualisation. Si je n'ai pas parlé de mutualisation, c'est parce que pour nous, la mutualisation, qui était souvent présenté comme un levier d'optimisation, c'est d'abord un levier d'investissement en termes de management. Et je ne dis pas qu'à moyen terme, ce n'est pas synonyme d'économie, bien évidemment, mais par rapport à la question du temps, du pilotage du hors-bord, du pilotage du paquebot, on n'est pas dans les purs. Et la question de la mutualisation, je préfère la poser comme un levier de bonne gouvernance, que ce soit sur le plan technique en termes de management ou sur le plan politique, comme un levier de bonne gouvernance, et la renvoyer à la fameuse question de l'intégration, en étant, même si la MGVF s'appelle Association des maires de grandes villes, on a autant d'adhérents communautaires, et il y a bel et bien, qu'on soit ville-centre ou qu'on soit communauté, une prise de conscience partagée chez nos adhérents, à savoir que l'intégration est, elle, quant à elle, non seulement synonyme de solidarité, mais également synonyme de potentialité d'optimisation de l'action publique locale. Merci Franck. En vous écoutant, je pensais à quelque chose, et gardez le micro un instant, parce que là, c'est donc une enquête qui a été faite auprès de tous vos adhérents, ville-centre, communauté d'agglo, des communautés urbaines, et dans le peloton qui est en train de devenir métropole, est-ce qu'il y avait des différences par rapport à ces autres grands ensembles urbains ? Les différences, elles sont... Non, pas nécessairement, si ce n'est que la question du pilotage territorial par rapport à la situation qu'on a connue de dichotomie des pilotages communaux et des pilotages intercommunaux, se pose de façon plus prégnante et peut-être avant les autres collectivités. Donc un des challenges, c'est effectivement, mais ça je pense qu'à Brest, une certaine avance a été prise, si je puis dire, un des challenges, c'est bien d'avoir un pilotage concerné entre les budgets, la somme des budgets communaux et le budget intercommunal. Merci. Alors, si on parle...